Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir There is poop in my soup, donc en français, il y a du caca dans ma soupe, un nom bien poétique pour un petit jeu bien délirant, mais très court. Le jeu a déjà été présenté sur ma chaîne il y a quelques temps sous sa forme de démo, là les développeurs m'ont envoyé une clé pour le jeu complet, donc je l'avais complètement oublié, et bah ça y est j'ai la clé, donc j'ai testé un petit peu, et c'est effectivement toujours aussi délirant, après on a juste un peu plus du même type de gameplay que l'on avait auparavant. Alors, pour la petite histoire, vous êtes un petit gamin qui est sur son balcon et qui va balancer donc des crottes pour toucher les gens qui sont en dessous. Le jeu est vendu à 74 centimes actuellement, il est à moins 25% pendant encore une petite journée, à partir de quand il va être à 0,99 €. Donc nous avons 3 stages dans la version complète, et vous avez même le support pour le workshop. Vous pouvez donc sélectionner des nouveaux personnages en allant dans le workshop et en regardant les créations donc des autres joueurs. Alors on va faire un petit tour des 3 villes, donc je vous avais déjà présenté New York dans la démo, mais on va faire un petit tour à nouveau. Alors, donc voici le stage, vous vous déplacez donc sur les balcons, vous voyez, et vous avez un petit trait lumineux pour pouvoir viser à différents endroits. Vous avez en dessous des gens hein, donc qui se baladent, et vous avez une liste de choses à faire. Alors j'ai fini le jeu, hein, donc je crois qu'il y a juste 2 petits objectifs qu'il me reste à Paris à finir, j'ai fini tout le reste. En fait, vous devez réaliser chacun des objectifs pour débloquer des nouvelles choses. Donc par exemple, un des objectifs va être de balancer une crotte dans la soupe du gars. Alors on va essayer, on regarde, il penche la tête, je vais attendre qu'il soulève la tête. Hop, on balance la petite crotte. Ah, j'ai raté, elle est tombée sur la table. Un autre objectif va être d'envoyer des petites crottes dans la poubelle. Alors on balance. Boum, là c'est réussi, vous avez voyez le gamin avec son petit cône de glace. Alors on est reparti, si j'arrive à bien viser, hop, je crois que ça va être bon là. Oh, raté. Ok, c'est tombé sur sa tête, et du coup il a filé et il s'est pris l'arbre. Après, vous voyez, vous pouvez faire des combos en touchant plein de gens, vous pouvez balancer plein de crottes, et éventuellement, lorsque vous aurez fait suffisamment de choses, vous allez débloquer donc plus de gens dans la map. Donc vous voyez, là j'ai 4 fois plus de gens qu'il y avait au départ, et on débloque également la compétence spéciale. Donc chaque ville a une compétence spéciale apparemment. Donc alors, à New York, la compétence spéciale est de... boum. Vous voyez, de balancer, de balancer des énormes crottes qui explosent. Alors voilà, ça explose en plein de petites crottes et vous voyez, ça touche plein de gens. Donc je fais des gros combos et je fais un gros score. Donc c'est comme ça que j'ai réussi d'ailleurs la plupart des objectifs. C'est vraiment plus simple. Et d'ailleurs, on balance les autres crottes restantes. Et donc là, j'ai plus rien. Et donc voilà, j'ai fini. Donc je peux retourner ici. On va aller maintenant passer à Beijing. Donc New York, c'était une ville que je vous avais déjà présentée. Beijing, c'est une nouvelle ville. Donc là, même chose, vous avez toujours vos objectifs. Hein, donc je les ai tous réussis. Mais rien de bien compliqué. Donc par exemple, balancer une petite crotte dans le wagon. Réussir à mettre 3 crottes dans la soupe. Hop, hop. Oh, il a intercepté. Allez, elle va intercepter. Non, c'est bon, elle a pas intercepté, donc là on est bon. Ici on a une famille qui mange la soupe, alors on va essayer d'aller le faire. Allez, on va essayer de mettre une crotte dans chaque dans chaque gamelle sans toucher les gens. Oups, c'est bon pour le gamin. Au pire. Alors je le laisse. Ah, je vois pas bien là. Hop. Allez à la maman. Voilà. Hop, je crois que c'est bon. Elle soulève la tête. Oh, on a raté. On s'est raté. Ok, donc alors on a également des petites poubelles. Alors dans les poubelles, si elles sont petites, c'est pas facile. Mais ça remue. Ah, raté. Oh, elle a rebondi. Elle a rebondi, elle a failli tomber dans la gamelle. Allez, tiens, on va t'intercepter. J'ai pris le mur. Et maintenant on a un nouveau type de pouvoir spéciaux. Donc spécial. Là on a le thème hein, en Chine, les feux d'artifice. Et donc là ça explose en plein de petites crottes qui bombardent les gens en dessous hein. Donc les pauvres. J'aimerais pas vivre dans la ville de ce gamin. Ou là où il va en vacances. Donc même chose. Ok, et puis on va faire un petit tour maintenant à Paris. Et tac, et puis après on va effacer, donc là je vous fais une petite présentation rapide hein, toutes les choses, puis on va effacer, on va essayer d'obtenir un à un les objectifs sur une map pour finaliser. Alors là, donc j'ai la même chose, hein. Donc on est à Paris, la petite musique à l'accordéon, les gars avec leurs baguettes, je sais pas pourquoi, mais ils aiment bien qu'on nous donne des chemises avec les traits horizontaux à l'obélix. Les gars avec les monocles, voilà, pardon. La petite moustache bien enroulée. Le beau thème français. Et vous avez, alors là par contre, hop, c'est un petit peu différent le pouvoir spécial à Paris. On ne fait que vomir en chaîne. Et donc vous voyez, j'ai en fait ça utilise. Alors c'est le pouvoir le plus puissant, hein, pour être franc.
Ça, ça me permet de d'encaisser les combos, je peux vous dire. Voilà, ok. Et donc voilà, donc là on a fait le tour du jeu pour être franc. Maintenant, ce qu'il reste à faire, bah, c'est voir l'obtention des objectifs. Alors, on vient là, on va annuler, donc on va effacer ma sauvegarde. Alors du coup, je suis obligé de recommencer à New York City, hein, ouais, vu que j'ai perdu les autres villes. Donc on est parti et on va essayer d'y arriver. Alors, première chose, je crois que ça va être de faire tomber au moins un dans la soupe. Je vais en envoyer 3. Ah, raté. Ok, bon, bah là, c'est raté. ici. Dans la poubelle. Je crois qu'il y en a... Il y a une quête, là, il faut en envoyer 3 dedans. Boum, boum. Ok, on a réussi une autre. Alors, le gamin avec sa soupe, avec sa glace, on n'avait pas réussi. Il me reste 2 crottes hein, pour cette partie. Je crois que ça va être bon, là. Hop, va soulever la tête. Ah, raté. Ok, alors, un petit peu plus loin. Ah, il a pas soulevé la tête, zut. Ok, donc là on a fini, et par contre ce que je comprends pas, c'est que j'ai pas mon carnet. Pourquoi j'ai pas le petit carnet avec les objectifs? Ah, il me donne plus les objectifs, pas grave, bon ok. Alors, 3, on va essayer de mettre 3 crottes dedans. Soulève ta tête. Ok, pas grave, on a le petit combo. Ici, le petit gamin avec ça, on va réussir enfin, je pense. Allez. Voilà, ça va être bon. Non, ok, c'était de façon trop loin. Soulève la tête. Yes. C'est bon, alors on a débloqué 25 crottes. Ok, alors maintenant... Dans... Boum, ça c'est fait. Non, là c'est raté. Alors, regarde... Oh, regardez-le. Non. Ok, alors on va choper le viking. Ah. Ouh. Attends, on chasse. Ok, pas mal de combos. Alors, je vais choper pas mal de points de combo en balançant les crottes en combo dans la poubelle. Ok, gros combo, mais ça n'a pas suffi. J'ai pas débloqué des points. Ok, suffisamment de points. C'est pas grave. On recommence. On va faire que dans la poubelle, là. Vous voyez, à nouveau, pour débloquer les... Je pense que ça me permet de débloquer au moins les bombes. Regardez mes points qui augmentent. Ah, pas assez. D'accord. Donc, c'est mieux de faire dans les... Dans les berceaux, je suppose. Dans les berceaux, dans les... Ah, du caca sur la maman, ça a compté. Ah, regardez, là, c'est génial, je vais pouvoir finir. Ouh, 1400 points. Boum, là, j'ai débloqué 4 fois plus de gens. Ok, donc, suivant. Là, il va y avoir vraiment plus de gens, vous voyez. Ça va être plus facile de choper plein de points. Mais tiens, on va essayer de te faire tomber les crottes sur plein de gens. Hop, hop, hop. Ah, d'accord, donc là j'ai récupéré, j'ai bien récupéré, d'accord, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Cogner les canettes dans la boîte, rebondir sur la boîte, alors les canettes, elles sont où les canettes? Là? Je suis pas sûr, je les vois pas. Ok, bah dans la boîte, un gros paquet même pour choper un maximum de points, on va voir. Ah, ça y est, j'ai débloqué les bombes, génial, avec tout ce que je viens de faire, et là on a enfin les bombes, donc maintenant, le taxi, les canettes, rebondir sur le taxi, rebondir sur la poubelle, un combo, maman et bébé, ok, et puis tout ça c'est 20 personnes, 50 personnes, 3 fois dans la soupe, ah j'ai toujours pas fait 3 fois dans la soupe, bah tiens on va le faire là, on va essayer, Ah, raté. Ok, bon, bah là, il n'y a plus de soupe. Donc, on reviendra plus tard. Par contre, ce que je peux balancer maintenant, c'est balancer les bombes. Ok, là, j'ai connu un gros paquet de gens.
et je balance le reste des crottes que j'ai. On bombarde. Alors là, je crois que j'ai réussi pas mal d'objectifs. Regardons. J'ai tout fait sauf rebondir sur le taxi et rebondir sur la poubelle. Ok, alors on retente. Et j'ai réussi à faire trois fois dans la soupe. D'accord, ça a réussi à tomber dans la soupe. Alors, rebondir sur la poubelle, c'est pas facile. Il y a plein de moyens de le faire. Un des moyens les plus faciles est de balancer un gros paquet. Ah bah, ok, je crois que c'est bon. Rebondir dans la poubelle. Et le reste est bon. Bah tiens, j'ai fini. Donc maintenant, c'est juste du luxe. Alors on est parti. Ouh, boum. Petite bombe. Une autre. Tout le monde couvert de crottes. Et là, je les envoie les individuels. Et voilà, bah voilà, c'est le gars qui a jeté et qui a cogné le mur. Bah donc voilà le type de gameplay auquel il faut s'attendre. Là, on vient de finir une des endroits. Final, franchement, en 30 minutes, vous pouvez finir le jeu. Donc c'est... Vous pouvez pas s'étonner du prix de 74 centimes. si vous voulez vous déchaîner un petit peu sur le jeu et que bah, vous voulez vous imaginer que bah, les gars qui se baladent en bas sont vos voisins, hein, vous pouvez vous lancer. Sinon, c'est vraiment un petit délire. Je vous conseille plus de prendre la démo si elle traîne encore sur Internet. La démo vous montre ben, ce stage-là dans sa totalité. Et franchement, faire ça ici ou aller le faire dans une autre ville, c'est vraiment la même chose en dehors du pouvoir spécial, mais il change pas grand chose hein. Au final le plaisir est plus de balancer les crottes individuelles que de balancer les grosses explosions, que voilà. Donc voilà, un petit délire, je me suis dit pour un petit dimanche matin ça serait pas mal. Donc merci à vous d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, bye bye.